Bonjour mesdames, bonjour messieurs, en direct du Salon des maires édition 2022, avec une table ronde, la septième table ronde organisée par nos partenaires Cinebird et Streamfees, sur les liens entre les collectivités locales et le numérique en particulier. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux personnalités du secteur des collectivités locales et du numérique. Donc monsieur Christophe Hugon, qui est conseiller municipal à la ville de Marseille, en charge des questions numériques, responsable de la transition numérique, notamment de la ville de Marseille, et monsieur Mathieu Brian, qui est chef de projet chez Open Data France. Alors, la première question va s'adresser à monsieur Christophe Hugon. On parle beaucoup de sobriété numérique, c'est quelque chose qui est vraiment en plein développement, avec les préoccupations environnementales évidentes. Quels sont les enjeux majeurs de la sobriété numérique pour une collectivité comme Marseille ? Oui, donc bonjour, merci de m'avoir invité pour cette table ronde et sur ce sujet extrêmement important de la sobriété de manière générale, de la durabilité. La ville de Marseille fait partie des 100 villes décarbonées. Donc on a un projet global, que ce soit dans le bâti, que ce soit dans les projets d'avenir, on va dire, de sobriété, de neutralité carbone. Et donc dans cette stratégie, le numérique a toute sa place. Pour donner un peu un ordre d'idée, le numérique à la ville de Marseille, une ville de 870 000 habitants, 1 million si on prend les collectivités attenantes, le numérique représente 8 milliards d'euros par an. 8 milliards d'euros par an, c'est l'équivalent du port de Marseille et c'est 4 fois le budget de la ville. Donc là, on est sur un vrai sujet, un sujet, alors on peut le voir du côté économique, mais on va dire que c'est quand même un sujet qui a une importance majeure sur la ville de Marseille. Et donc, à partir de là, on sait que ce numérique va avoir un impact social et un impact environnemental. Dans le cadre du numérique responsable, nous, on a identifié ça comme une volonté politique, un besoin de prendre des décisions, d'arbitrer, de, en réalité, finalement, prendre la responsabilité de cette thématique-là. On ne peut plus continuer sans politiser ce sujet et en considérant qu'il ne s'agit que d'une ressource. Et donc, à partir de là, on essaye de mettre en place, on est en train de mettre en place une stratégie globale autour de la sobriété numérique. Et plutôt que la sobriété, j'aime de plus en plus utiliser le terme discernement. C'est-à-dire qu'il s'agit surtout d'identifier les enjeux positifs et négatifs, qu'ils soient sociaux mais aussi environnementaux, et faire des arbitrages. C'est là où ça devient réellement, où il doit y avoir une volonté, il doit y avoir une vision derrière. Et ces arbitrages-là doivent être réalisés en fonction alors, des enjeux du sac à dos, ce qu'on appelle le sac à dos écologique du matériel qu'on achète. Par exemple, typiquement, il est estimé pour un ordinateur portable qu'on a besoin, en cumulant les matières premières, l'eau et aussi les ressources fossiles, de 600 kg, de 600 à 800 kg de matière pour créer un ordinateur de 2 kg. Donc on a quand même un facteur quasiment 200, le matériel étant ce qui a le plus d'impact finalement. Et donc en prenant conscience de ça, il faut qu'on prenne des décisions qui sont dans le discernement, dans la proportionnalité, dans l'intelligence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut, par exemple, aller vers les filières de réutilisation de matériel numérique. On peut aller vers des stratégies d'optimisation logicielle pour ne pas avoir à renouveler le matériel, de durabilité des licences, éviter tout ce qui est obsolescence, qu'elle soit matérielle ou logicielle. Et donc, finalement, modérer le renouvellement, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un contexte où, dans le numérique, avec le même matériel, juste en travaillant sur le côté soft, on peut faire mieux, mais sans renouvellement. Ça, c'est extrêmement intéressant. Je pense que vous allez en parler tout à l'heure, notamment autour de la data. Et donc voilà. Donc, c'est aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans ce contexte. Mieux programmé pour ne pas avoir à changer de version matérielle, avoir des matériels plus puissants, plus consommateurs de ressources. Par exemple, mais aussi se pencher sur tout ce qui est bien commun, donc tout ce qui est open source, pour nous, c'est aussi extrêmement important parce que c'est de l'investissement public. Et donc, ça reste dans le public et ça reste réutilisable et surtout optimisable. Il peut y avoir un travail commun
autour de ça. Il va y avoir aussi donc toutes les stratégies autour de la gouvernance de la donnée, de l'archive, de l'archivage, de la gestion de nos propres serveurs ou des serveurs sur le secteur, parce que Marseille est un hub international. C'est là où arrivent de nombreux câbles internationaux, sous-marins notamment, et on est aux alentours du cinquième hub le plus important du monde. Et ce qui veut dire que, en réalité, sur notre territoire, il y a des enjeux, donc évidemment économiques, mais aussi des enjeux d'impact, d'emprise territoriale. Donc, on est vraiment sur une vision, ce qu'on peut appeler la sobriété, que je préfère appeler le discernement, finalement. C'est vraiment un enjeu qui touche beaucoup de domaines, donc le carbone, mais aussi les matières premières et aussi l'économie, le social. Très intéressant. Je crois que l'impact environnemental sur la partie numérique, c'est 80% le matériel à peu près, et le reste, c'est le software, c'est ça. Oui, c'est bien ça. C'est surtout la fabrication du matériel. C'est pour ça que le reconditionnement, la réparabilité, utiliser le plus longtemps possible les serveurs, ne pas les renouveler trop fréquemment, pour nous, c'est une piste qui est extrêmement importante. Et le rôle du logiciel dans ce contexte, c'est de permettre de faire mieux, mais sans exiger de renouvellement. Et ça, et je pense qu'il y a, quand on a un petit peu programmé, un petit peu travaillé là-dedans, on se rend quand même bien compte qu'on a une bonne marge de manœuvre vis-à-vis de l'optimisation. C'est clair. Alors, quels sont les projets récents que la ville de Marseille a pu mettre en place en matière de discernement numérique ? Alors, la première chose qu'on est en train de mettre en place, c'est des filières de recyclage, déjà. Ça aussi, c'est un enjeu. Il y a évidemment des appareils qu'on ne pourra pas reconditionner, qu'on ne pourra pas réutiliser pour différentes raisons de réparabilité ou encore vraiment des appareils qui sont très anciens. Les filières de recyclage, c'est pas un enjeu que de Marseille. En Marseille, nous, on essaie d'être un petit peu la ressource. Là, on fournit la matière première, en quelque sorte, à ces filières-là, mais aussi pour essayer d'encourager le développement d'un recyclage plus efficace, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des difficultés à avoir quelque chose de très efficace. Et ensuite, on est, donc, comme je disais, dans le reconditionnement. On essaie de conserver les téléphones mobiles qui sont mis à disposition, de les reconditionner. On essaie de rentrer dans ces filières-là. Et ensuite, sur les territoires, on est en train de mettre en place donc une feuille de route, un plan d'action qui nous permettra de s'impliquer aussi avec les associations. Typiquement, on travaille avec, par exemple, de grandes entreprises ou des opérateurs comme Orange, qui faire un don d'ordinateur. Et nous, on est coordonnateur pour que ce soit des associations de solidarité numérique qui bénéficient de ces ordinateurs. De cette manière, on se retrouve avec du matériel qui aurait été du déchet, et du déchet assez lourd qui est réutilisé. Et en plus, on lutte contre la fracture numérique. On est dans une dynamique de solidarité finalement numérique. Et pour nous, c'est extrêmement important. Ça fait partie du numérique responsable. Bravo, c'est très intéressant. Alors, je vous reposerai la question sur l'avenir tout à l'heure. Mais avant, je vais donner la parole à Christophe Brien. Donc, vous êtes Open Data France. Open Data France, avec un micro, c'est bien. Open Data France. Alors, Open Data France qui vient de sortir un guide des bonnes pratiques du numérique et l'environnement, en fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce guide des bonnes pratiques ? Oui, tout à fait. Puis aussi, très concrètement, où est-il disponible ? Comment je peux m'en servir, moi, collectivité locale ? On a pas mal de collectivités locales qui regardent et regarderont cette petite vidéo. Donc, très concrètement, dites-nous à quoi ça sert et comment je peux l'obtenir. Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un dispositif qui est un cadre légal qui s'appelle la loi REN, la loi qui vise justement à réduire l'impact environnemental du numérique. Et les territoires vont être invités à développer une stratégie numérique responsable. Et on s'était rendu compte, en croisant, on va dire, les ressources et les outils déjà disponibles, il y a de nombreuses ressources, notamment produites par la direction interministérielle numérique éco-responsable, qui est du coup pilotée par la DINUM. Beaucoup d'outils existants,
notamment sur l'achat public responsable, sur l'éco-conception des portails. Et on voyait en fait que finalement, la question de la donnée, la volumétrie, des flux de données était peu exploitée, explorée. Donc ce qu'on a voulu faire justement, c'était poser la question de comment justement concrètement prendre en compte l'impact environnemental aussi de l'ouverture et de la mobilisation des données et comment justement encourager une forme de sobriété justement aussi. Et là aussi se pose la question aussi justement du discernement dont Christophe vient de parler. Donc on a pu investir et travailler justement sur ce projet. Donc on a invité les collectivités à exprimer déjà leurs besoins, comprendre la maturité qu'elles avaient déjà sur ce sujet. On voulait voir justement s'il y avait un intérêt réel à travailler avec elles sur cette question. Donc on a fait une enquête, notamment une série d'entretiens. Et on a aussi mobilisé les collectivités à produire des propositions, justement, des recommandations pour justement essayer de voir sur la question de la granularité, sur la question de l'archivage, de la qualité des données, voir quels étaient les meilleurs critères finalement pour réduire l'impact environnemental des données. Donc aujourd'hui, on peut retrouver ce guide sur le site Open Data France. On a toute une série de recommandations très applicables déjà. Donc il faut savoir qu'il y a 10 recommandations qu'on a pu produire avec à chaque fois des exemples de pilotage et aussi des exemples de comment cela a été conduit par ailleurs. D'accord. Alors justement, c'est ma question. Y a-t-il des collectivités qui ont commencé à l'utiliser ? Avez-vous des retours d'expérience sur l'usage de ce guide ? Oui, notamment, en fait, c'est vrai que, par exemple, si on prend la question de la granularité, il faut savoir que ça arrive de manière très récurrente, en tout cas dans l'open data, lorsqu'on veut récupérer un jeu de données, on récupère un jeu de données à l'échelle nationale, alors que pour une collectivité, va s'intéresser à un échelon très local. Donc comment voir justement, comment filtrer, avoir cette granularité qui permet de récupérer un jeu de données qui va justement s'intéresser spécifiquement au territoire, sans avoir justement un jeu de données trop volumineux où des données finalement ne seront pas utilisées. Aujourd'hui, on a aussi un dispositif open data local qui vise justement à accompagner méthodologiquement les collectivités qui souhaitent s'engager dans ce parcours de l'open data, qui permet justement aussi d'avoir cet apport méthodologique, mais aussi justement de sensibiliser les collectivités à toutes ces ressources, donc notamment cette ressource liée à la sobriété. Donc on peut travailler sur cette question de la granularité, la question de l'archivage. On a pu avoir un retour très intéressant, notamment par exemple de la ville d'Antibes qui travaille sur l'archivage de données stratégiques, notamment par exemple les lieux de centres de vaccination liés à la Covid. L'idée, c'était pour eux ne pas dépublier tout de suite ce jeu de données, mais justement penser la pérennité, savoir comment est-ce que ce jeu de données pourrait resservir par la suite. Donc va se poser justement la question de la sauvegarde aussi de ces ressources numériques. Donc l'idée, c'est aussi justement de travailler avec les collectivités sur la question de l'archivage et de la pérennité des données et des services déployés. D'accord. Alors, on va parler de l'avenir à Marseille et préparer la réponse à la question suivante. C'est si vous aviez une ou deux recommandations immédiates. Voilà, vous commencez sur ces questions-là. Quelles sont les deux recommandations très concrètes et immédiates qui permettent d'avoir des résultats pas trop tardifs? Je vous poserai la question juste après. Alors, l'avenir, les projets à court terme à Marseille, c'est quoi? Alors, j'ai parlé des projets à différents termes, justement, parce que ce dont je vous ai parlé, c'est les choses qu'on a déjà mises en place officiellement, puisqu'on travaillait déjà dessus au précédent conseil municipal, donc une stratégie sobriété numérique. Au prochain conseil municipal, on va soumettre une délibération numérique responsable, donc qui reprend un petit peu tous ces piliers. Mais surtout, cette délibération qui est un peu chapeau de notre volonté politique nous impose à nous-mêmes d'avoir un plan d'action annuel, pour ça sera 2023-2024. Alors pourquoi un plan d'action annuel? Pourquoi pas directement une délibération qui donne des grandes lignes? Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, le contexte fait qu'il faut être résilient, être capable de s'adapter d'une année à l'autre, parce qu'on a quand même enchaîné une année où les enjeux sanitaires faisaient qu'on avait besoin de réduire la fracture numérique, c'était ça la très grande priorité. Maintenant, on est dans une problématique géopolitique énergétique. L'année prochaine, on peut-être être dans une problématique qui sera plus matériaux, etc. Donc, il faut être capable de répondre justement à court terme, mais sur le long terme et moyen terme. Et donc, pour cette année, on va établir un plan d'action autour de la sécurité confiance numérique, autour de l'éthique, autour de l'accessibilité, mais aussi de la sobriété. Et ce qu'on va mettre en place, c'est typiquement de l'éco-conception logicielle, notamment des sites internet de la ville. Alors, comme ça a l'air pas très ambitieux, mais en réalité, c'est quand même des sites. Donc, on a beaucoup de sites de Ville de Marseille qui sont visités par des dizaines de milliers de personnes par jour. Et on avait jusqu'à maintenant
pas vraiment une stratégie autour de ça. Donc il y a une notation Green IT qui permet d'avoir une estimation de l'optimisation de ces pages-là. On était, alors c'est A, B, C, D, E, F, G comme les classifications d'appartements, de maisons. On était au G. Et l'objectif, c'est de réussir à faire en sorte que toutes nos pages soient A, de manière à vraiment avoir quelque chose. Alors, en plus de la sobriété, ça répond à la question de l'accessibilité, parce que des pages légères peuvent être aussi consultables lorsqu'on a très peu de réseau, ce qui est aussi une problématique à la ville de Marseille. Et un handicap visuel. Et handicap visuel, bien sûr, ça c'est extrêmement important aussi. Donc on va mettre en place aussi des formations. Formation tout d'abord envers les agents. Typiquement, il nous a été présenté la fresque du numérique, qui est un outil de vulgarisation qui est très puissant puisqu'il est participatif. Donc ça reste une expérience et donc quelque chose qui met en perspective. Ça peut faire partie des outils qu'on aimerait développer à la ville de Marseille pour conscientiser un petit peu les agents et l'action municipale et éventuellement l'étendre un petit peu sur le territoire. Mais encore une fois, et puis s'appuyer sur l'expérience associative, etc. Et encore une fois, cette idée de faire des plans d'action qui sont résilients, je pense que c'est vraiment ça le levier. Ils sont concrets et résilients pour chaque année. Donc, stratégie de la donnée, etc. Et c'est réellement ce côté très agile qui va nous permettre d'être efficaces rapidement et de gérer le court terme à long terme, on va dire, mais aussi le long terme à court terme, puisqu'on voit déjà comment est-ce qu'on gérera la sobriété, entre autres, d'ici quelques années. Penser demain et agir aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, Mathieu, les deux recommandations pour les collectivités locales qui vous regardent. Alors c'est vrai, il y a déjà une première recommandation qui nous semble vraiment importante, c'est de travailler sur la découvrabilité des jeux de données, puisqu'en fait on se rend compte qu'il y a énormément de duplication. C'est-à-dire qu'une collectivité va produire un jeu de données qui est déjà disponible ou produite par une autre institution. On pense par exemple à des collectivités qui vont travailler sur un référencement de leur lieu public type musée. Il faut savoir par exemple que le ministère de la Culture publie déjà ce jeu de données. Donc l'idée, c'est davantage de travailler sur identifier les jeux de données existants et pouvoir les moissonner, c'est-à-dire pouvoir travailler avec ces ressources déjà existantes et les valoriser localement. Et une autre recommandation, on en a parlé aussi, c'est la question aussi de l'hébergement, des infrastructures matérielles. Là aussi, des recommandations et des principes de mutualisation peuvent justement aider à limiter l'impact environnemental du numérique et notamment des données en favorisant justement l'optimisation et ainsi justement réduire aussi les coûts d'infrastructure et d'hébergement. Donc finalement, inviter les collectivités et toute organisation qui produit de la donnée temps réel, la donnée aussi géographique, qui sont beaucoup plus volumineuses que des données open data, travailler avec elles sur ces sujets-là, justement en favorisant la découvrabilité, travailler justement sur la documentation des métadonnées pour justement qualifier au mieux, comprendre la volumétrie des jeux de données, travailler sur aussi la question de l'hébergement de ces services. C'est aussi justement inviter l'ensemble des organisations à faire mieux de l'open data et à faire de l'open data, parce qu'on voit aussi comment ouvrir et publier ces données est aussi justement une réponse à limiter l'empreinte environnementale du numérique. Bon, j'en rajouterai une troisième, c'est de télécharger le guide publié par Open Data France sur votre site pour les données au service de l'environnement. Écoutez, alors Christophe Hugon, merci beaucoup, vous avez été extrêmement clair, très percutant. Merci à vous. Donc vous êtes conseiller municipal en charge de la transition numérique à la ville de Marseille. Mathieu Brien, donc chef de projet Open Data France, merci beaucoup. Et puis on remercie également évidemment StreamFizz pour la prise d'informations, vidéo, son et la diffusion sur leur plateforme. Et si évidemment nos amis de Cinebird, partenaires de l'opération. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Merci.